Salut, bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes pour commencer la petite présentation. On va donner la chance aux gens de se joindre à nous. Je me nomme Chantal Maillé-Crittenden. Je suis la directrice de l'école d'orthophonie. Et aujourd'hui, on va parler de l'école d'orthophonie et du baccalauréat. Anyone who is joining who is anglophone, I am the director for the School of Speech and Language Pathology, and today we're going to do a brief presentation on the Bachelor of Health Sciences in Speech and Language Pathology. It's a French program. Donc, je vois qu'il y a plein de gens qui se joignent à nous. Continuez. Bonjour tout le monde. Salut. Donc, je vais peut-être laisser un autre 10-15 secondes, puis on va commencer avec de l'information sur le baccalauréat en orthophonie. OK, donc je vais commencer. Je vais vous montrer quelques photos ici avec de l'information sur le programme. Alors, cette présentation, ce Instagram Live est pour des élèves du secondaire 9e, 10e, 11e, 12e année. C'est également pour des élèves ou des étudiants de d'autres universités ou même de la Laurentienne qui pensent peut-être venir se joindre au baccalauréat en orthophonie. On peut certainement vous accommoder, vous offrir des conseils si c'est le cas. Alors, je m'en vais du mauvais sens. Pourquoi vous inscrire au baccalauréat en sciences de la santé à l'Université Laurentienne? Bon, ben, c'est le seul baccalauréat en orthophonie au Canada. Alors, on est vraiment unique dans ce sens-là. Vraiment, c'est une majeure en sciences de la santé, en orthophonie. Mais il y a aussi d'autres cours. Vous allez suivre des cours en psychologie, en linguistique. Puis il y a aussi des cours au choix. Alors, si vous vous intéressez à la géographie, si vous vous intéressez à l'histoire, aux communications, à la chimie, vous pouvez aussi suivre ces cours-là comme cours au choix. Vous pouvez faire des mineurs si vous le voulez. On a des étudiants qui ont fait des mineurs en English, en italien. Alors, il y a beaucoup de différents choix de cours. Pardon. Le bac va ouvrir plusieurs portes à d'autres carrières. Donc, si vous n'êtes pas certain, certaine ce que vous voulez faire, bien, vous pouvez vous inscrire au baccalauréat en sciences de la santé en orthophonie et décider de vous lancer plus tard en médecine, en psychologie, en physiothérapie, en audiologie, en ergothérapie, en enseignement. Alors, il y a plusieurs autres portes qui s'ouvrent, soit en santé, soit en éducation. Et vous pouvez déjà là commencer au baccalauréat à prendre des cours au choix qui vont être peut-être des prérequis pour la faculté de la médecine, pour avoir une matière enseignable si c'est l'enseignement qui vous intéresse, ou bien sûr, vous pouvez poursuivre vos études dans le domaine de l'orthophonie. Alors, il y a 12 écoles d'orthophonie de maîtrise au Canada. Puis il y en a seulement deux en français en Ontario, la Laurentienne et l'Université d'Ottawa. Alors, si vous êtes un élève au secondaire et vous voulez vous joindre à notre famille d'orthophonie, il vous faut français 12e année, English 12e année et biologie 11e année suffit. On veut vraiment que vous ayez une bonne connaissance de l'anatomie, la physiologie du corps humain. Alors, c'est pour ça que biologie 11e suffit. Si vous avez biologie 12e, vous avez dû avoir pris biologie 11e année. Et il vous faut quatre autres cours de 12e année, puis une moyenne de 70%. Alors, toutes ces informations-là sont sur le site web du programme de baccalauréat en orthophonie. C'est aussi dans le guide de l'université, le ViewBook. Alors, vous pouvez là, les retrouver là, ou vous pouvez toujours communiquer avec moi ou l'équipe de profs, soit sur Instagram, soit en nous envoyant un courriel à orthophonie à laurentienne.ca. Puis on va pouvoir répondre à vos questions. Ou vous pouvez les poser ici tantôt quand on va avoir une période de questions. OK, on continue. Alors, une fois vous êtes inscrit au baccalauréat, il y a plusieurs cours, évidemment, en orthophonie. Donc, dès votre première année,
au baccalauréat, vous allez suivre deux cours en orthophonie. Donc, ça va vraiment vous donner une bonne idée de si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a un cours qui porte sur le développement du langage chez l'enfant. Il y a un autre cours qui touche à un peu de tout. Alors, il y a des cours qui vont porter sur science de la parole, donc comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on entend, comment est-ce qu'on avale. Donc, il y a beaucoup de différents sujets dans ce cours-là en première année. Vous devez suivre des cours en linguistique, donc comme orthophoniste, on est expert du langage. Alors, c'est important d'avoir une bonne connaissance de, disons, comment le langage se développe chez l'enfant, mais aussi en français, c'est quoi les sons du langage, c'est quoi le sens des mots, c'est quoi l'ordre des mots dans une phrase, la syntaxe, etc. Puis vous allez avoir des cours en langue, donc on veut que vous ayez une bonne connaissance de la grammaire en français. Et des crédits au choix, comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez prendre des cours qui vous intéressent ou ça peut être des prérequis pour un autre programme plus tard. Alors, vous avez plusieurs options là pour susciter votre intérêt. OK, je continue, puis je vois, j'ai oublié de présenter. Alors, on a Roch Goulet avec nous qui est le coordonnateur de liaison. Alors, il est avec nous, il répond à vos questions en ce moment qui portent sur la mission à la Laurentienne, des choses du genre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Roch peut y répondre au fur et à mesure que je parle. Puis ensuite, on aura une période, de questions, si vous avez des questions pertinentes à l'orthophonie. OK, je continue. Alors, en orthophonie, on aime impliquer les étudiants. On a habituellement une journée d'accueil au début de l'année. C'est sûr qu'en septembre, ça va avoir l'air un peu différemment cette année, mais on prévoit toujours organiser une journée d'accueil. C'est un moment de présenter les nouveaux étudiants à nos étudiants qui sont déjà avec nous. Donc, on a 6 années d'études, 4 années de baccalauréat, 2 années de maîtrise. Et puis, c'est une occasion pour tout le monde de se joindre ensemble, puis de discuter, puis d'apprendre à se connaître. Donc, on est une petite famille à la Laurentienne. Donc, pendant la journée d'accueil, on fait souvent des défis, un dîner servi, on a souvent des prix. Alors, c'est vraiment une bonne occasion pour les élèves qui nous arrivent du secondaire, mais aussi pour d'autres étudiants qui nous arrivent de d'autres programmes. Donc, on a déjà eu des étudiants qui sont arrivés de sciences infirmières, de le bac en éducation, en psychologie, en linguistique ou de d'autres universités. Alors, on a souvent des étudiants qui nous arrivent du Nouveau-Brunswick, de la région d'Ottawa, donc d'un peu partout, là, vraiment dans le fond. Donc, si vous vous inscrivez, surveillez vos courriels pour l'annonce pour la journée d'accueil 2020. Ensuite, l'école d'orthophonie a un conseil d'étudiants. Tout comme dans les écoles secondaires, on a des conseils, on a des parlements. Alors, c'est un conseil, un président, une présidente, vice-président, vice-présidente, trésorière, etc. Et les étudiants font plein d'activités pendant l'année. Ils font des levées de fonds, ils vont souvent faire des dons à des charités dans la communauté. Ils se regroupent, comme vous pouvez voir des exemples, il y a des porchetta bingo, un bal d'orthophonie où il y a toujours environ presque une centaine de personnes qui se rassemblent pour danser, pour s'amuser. Ils font des soirées films, des soirées yoga, des choses comme ça. Alors, ça vous donne vraiment l'occasion de vous impliquer comme nouveau étudiant et aussi comme étudiant existant. Et aussi, ça vous permet de apprendre à connaître les autres parce que c'est très important de pouvoir communiquer avec les autres étudiants dans le programme. Alors, ceci m'apporte à la dernière petite diapo que j'ai à vous montrer. On a une clinique sur campus. Donc, on est vraiment choyé. On a des orthophonistes qui travaillent. À notre clinique, on voit des clients de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 90 ans. Alors, ça va vous donner l'occasion d'observer
Les étudiants à la maîtrise font des stages à notre clinique, puis aussi dans la communauté, bien sûr. Mais ça vous donne aussi l'occasion de voir de quoi a l'air une clinique en orthophonie, les matériaux qui sont utilisés. Donc, on a plein, plein, plein d'outils. On a aussi, parfois, on a organisé des camps avec des enfants, des camps pour la fluidité, pour ceux qui bégayent. On a une clinique, des fois, pour les gens qui ont des troubles de la voix. Alors, on a plusieurs clients qui viennent nous voir à la clinique. Puis en ce moment, bien, ça se fait tout par la télépratique, par vidéoconférence, en raison de la pandémie. Alors, ça conclut pas mal ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Je vois qu'il y en a encore là, plusieurs qui sont branchés. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, posez-les. Que ce soit par rapport aux exigences, à la carrière d'orthophoniste. Alors, allez-y, puis je vais faire de mon possible pour y répondre. Je vois que Rock a déjà répondu plusieurs questions. Ce que je vais faire, tiens, Rock, je vais t'inviter. Comme ça, je vois qu'il y a une question. Bonjour, Rock. Ouais, salut Chantal. Alors, avez-vous l'option de faire des cours l'été? Et je vois aussi l'autre question. Qu'arrivera-t-il en septembre? Les cours seront-ils offerts sur campus? Alors, je vais répondre à la première question. Oui, il y a des cours offerts pendant l'été. Cette année, on a plusieurs en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année du baccalauréat. La plupart, c'est des cours offerts en ligne. On les cours à distance. Même quand ce n'est pas la pandémie COVID, les cours seraient à distance. Et puis, en septembre, alors, l'université n'a pas encore annoncé ce qui va se passer officiellement, mais on envisage que ça va être probablement quelque chose d'hybride, alors en ligne. Puis si le ministère nous le permet, on aurait peut-être aussi quelque chose qui se passe physiquement sur campus. Mais comme la plupart des autres universités au Canada, on songe vraiment à une formule là, plutôt hybride. Ça va être en ligne et possiblement sur campus. Oui, tu l'avais bien dit. Puis quand la réponse sera délivrée, ça sera par ton portail applicant. Si vous êtes un élève actuel, vous connaissez déjà le portail Malheur Ancienne, ainsi par courriel. Donc, on va assurer que tout le monde connaît la stratégie quand il est confirmé. OK. Alors, j'étais supposée faire une coop d'été avec une orthophoniste, mais avec cette pandémie, ce n'est plus possible. Donc, est-ce qu'il y a des places où je pourrais faire mon coop virtuel? Bonne question. Je sais qu'il y a des cliniques qui commencent à offrir des services par télépratique. Les centres de traitement pour enfants ont eu l'autorisation d'ouvrir leur centre au public. Alors, peut-être si tu attends un petit peu, tu vas pouvoir avoir des occasions peut-être aller observer. Mais je peux pas parler à propos des coops. Ça, c'est quelque chose qui est organisé par ton école secondaire. Donc, peut-être demander à ta coordonnatrice des coops. Pour les étudiants étrangers, est-ce qu'il y aura possibilité de reporter à la session d'après? Donc, Rock, je te laisse répondre ça. Oui, donc celui-là, c'est définitivement possible pour un élève international. Donc, dans ce cas-là, c'est d'envoyer un courriel à admission à laurentienne.ca. Sur cette situation, ils vont t'inviter à une discussion plus personnelle, à déterminer c'est quoi la session la plus agréable. Même, il y a des conditions avec l'immigration qui va être, avoir une influence assez petite sur cette décision, mais si j'envoie un courriel, il faudrait qu'on commence par cela. Okay. Je vois comment fonctionne l'année propédeutique. Donc, je n'en ai pas parlé beaucoup. Donc, je n'ai pas parlé du tout. On a une année qui est comme une genre d'année préparatoire où ça permet aux étudiants de d'autres universités ou de l'Université Laurentienne, de d'autres programmes qui ont des cours en psychologie, qui ont des cours en linguistique, mais qui n'ont aucun cours en orthophonie. Alors, pour être admissible à notre maîtrise en orthophonie, il faut avoir au moins 10 cours en orthophonie. Et l'année propédeutique permet aux étudiants de suivre ces 10 cours-là en une année.
Puis on est en train de développer ces 10 cours-là en ligne. En ce moment, il y en a 6 ou 7. Alors, vous pouvez déjà commencer à suivre des cours si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore là, envoyez-nous un courriel à orthophonie@laurentienne.ca et on pourra vous orienter. Il faudrait faire une petite étude de votre dossier, des choses comme ça. Ouais, bonne réponse. Isabelle va poser une question. Est-ce que vous savez comment et quand nous allons pouvoir choisir nos cours? Veux-tu que je la réponde? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Donc, le comment, ça se fait par un service qui s'appelle LibService. Donc, si vous êtes un élève prospectif, dans les prochaines quelques semaines, on a dit toujours en juin, tu vas transitionner votre compte d'applicant puis devenir étudiant. Donc, vous allez avoir accès à ce nouveau portail qui complémente de celle qui existe. Ça va donner un parcours de votre diplôme et tous les cours que vous devrez suivre. Sur ce service-là, tu peux planifier les cours qui sont nécessaires et les cours ouverts, si votre diplôme le permet. Puis après que vous planifiez, il faut juste que vous suivez les étapes pour confirmer, pour ajouter ces cours, puis tu construis votre horaire comme cela. Pour le moment, tous les cours pour le semestre prochain n'est pas encore confirmé. Ça vient vraiment avec la décision de la livraison. Mais restez patient avec nous, on va vraiment confirmer tout cela. Puis en habitude, ça se passe en juin, donc on est toujours en temps. Belle question, Isabelle. Merci. C'est là aussi, si parmi les 24 qui ne sont pas ici, pas spécifiquement en orthophonie, mais ils ont peut-être un petit intérêt, c'est là que tu peux toujours suivre des cours qui t'intéressent. Il y a toujours des domaines semblables, ou puisque c'est un programme ouvert, tu pourras toujours suivre des cours en orthophonie pour complémenter vos études. C'est toujours possible aussi. Absolument. Il y a des cours en orthophonie qui peuvent être vos cours au choix si vous êtes des étudiants en psychologie, en linguistique, en biomédical, n'importe quel autre programme. Je vois que, alors, l'université avait donné l'occasion aux étudiants de choisir réussite ou échec pour leur relevé de notes au lieu de la note en lettres ou en pourcentage. Alors, est-ce que le choix pass or fail que nous offre Laurentienne peut affecter notre entrée à la maîtrise? Non. Alors, même pour toutes les autres maîtrises au Canada, je suis sur un comité, puis on se rencontre régulièrement. Et on s'est déjà entendu que pour les prochaines 3-4 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des étudiants qui vont avoir sur leur relevé de notes des échecs ou réussites, des pass or fail. Puis on va trouver une formule pour ne pas pénaliser les étudiants. On s'entend là, que c'est des circonstances exceptionnelles. Donc, ça ne va pas avoir un impact. C'est juste, c'est plutôt de notre côté. Il va falloir qu'on trouve une solution pour déterminer comment on va. Ou comment on va calculer votre pourcentage. OK? D'autres questions? Ce sont toutes des très bonnes questions en Ouais, passant. jusqu'à date, c'est une bonne discussion qui se passe. Si vous pensez à d'autres choses par après, vous pouvez les poser soit directement sur notre compte Instagram, donc A-L-U-L Ortho S-L-P pour Speech Language Pathologist. Ou au courriel, orthophonie@laurentienne.ca. Ou, si c'est une question plus générale, c'est quoi votre courriel, Rock, C'est encore? info@laurentienne.ca. Donc, assez simple. Tu as besoin de l'information, info@laurentienne.ca. Parfait. Oh, c'est une belle question, ça fait. Quoi le salaire d'une orthophoniste? Alors, le salaire débutant d'un orthophoniste maintenant est autour de 80 à 90 000, dépendant de où tu te retrouves. Ça peut être dans des conseils scolaires, dans le milieu hospitalier, dans un centre de réadaptation pour les soins à domicile, donc les ARLIS qu'on appelle. Et puis, dépendant où tu te retrouves, bien ce salaire-là peut augmenter. Si tu travailles en pratique privée, donc plusieurs orthophonistes choisissent de travailler à leur propre compte. Donc là, ça va dépendre du montant de clients que tu choisis de voir, mais c'est autour de 80 000 à 90 000 en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac en orthophonie? Donc, comme j'ai mentionné tantôt, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez continuer en orthophonie, vous pouvez choisir d'autres domaines connexes comme l'audiologie, la physiothérapie, l'ergothérapie, donc tous les programmes de réadaptation. Si vous vous intéressez à la psychologie, il y a des maîtrises en psychologie qui pourraient vous intéresser pour devenir psychométricien même, psychologue. On a des étudiants qui ont fait demande à l'école de médecine, plusieurs étudiants aussi qui décident d'être
ce qu'on appelle un aide orthophoniste. Puis ça, il faut un bac de 3 ans, puis ensuite, il faut aller au collège. Et vous êtes, j'aime utiliser la comparaison, c'est comme si l'orthophoniste est le dentiste, puis l'aide orthophoniste, c'est comme l'hygiéniste dentaire. Donc, il y en a qui choisissent de faire ça comme carrière ou aller en enseignement. Je ne me souviens plus si j'ai mentionné ça, mais plusieurs choisissent d'aller en enseignement. Puis là, vous avez une très bonne base sur l'acquisition du langage. Donc, en gros, là, ce sont les choix de carrière, mais il y en a plusieurs. Est-ce que c'est des grosses classes? Combien d'élèves? Alors, au bac, c'est un programme en français. Alors, on a environ 20, parfois 30 étudiants par salle de classe. Mais ce n'est pas limité. On peut en accepter 50, 60 s'il y en a 50, 60 qui s'y intéressent. À la maîtrise, on accepte 10 étudiants par année. Puis ça, c'est plutôt parce qu'on a plusieurs stages. Chaque étudiant doit compléter 350 heures de stage. Puis c'est très difficile à les trouver. Mais disons, si tu t'intéresses à la maîtrise, puis tu n'es pas admis à notre maîtrise, bien, je pense que le taux est 85 % des étudiants qui ont fait leur bac ou une année propédeutique à leur ancienne ont soit été acceptés à notre maîtrise ou à une des autres 11 universités au Canada. Donc, est-ce qu'il faut être bilingue pour être admissible à la maîtrise en orthophonie? Donc, pour le bac, donc, si je commence par ça, non, tu peux être francophone. Pour la maîtrise, mais parce qu'il y a des stages et parce que tu vas te retrouver dans des milieux hospitaliers, même dans des écoles de langue française où il y a plusieurs familles bilingues, oui, il faut avoir une certaine compétence langagière en anglais et en français, évidemment. Pour pouvoir compléter vos stages. Alors, puisqu'on est dans un contexte linguistique minoritaire, il faut s'attendre à travailler avec plusieurs gens qui sont anglophones ou bilingues. Alors, c'est pour ça que pour la maîtrise, il faut avoir une compétence en anglais et en français, mais pas pour le bac. Pour le bac en français, suffit. Donc, tu as 4 ans. Si tu es monolingue francophone où tu n'as pas beaucoup de compétences en anglais, tu t'intéresses au baccalauréat, mais tu as 4 ans pour t'immerser dans la communauté anglophone. Puis ça, on a déjà des étudiants qui l'ont fait. D'ailleurs, on accueille souvent des élèves des programmes d'immersion qui réussissent très bien dans nos programmes. Comment s'intégrer au club d'orthophonie? Comme j'ai mentionné, on a un super club très engagé. On l'appelle le COUL, donc COUL, le Club d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Vous pouvez leur envoyer un courriel, coul@laurentienne.ca, mais ils vont souvent afficher leurs activités sur leur compte Facebook. Ils ont une page Facebook aussi. Ou bien, vous pouvez tout simplement envoyer un courriel à orthophonie@laurentienne.ca pour demander des détails. Mais c'est une très belle occasion, je vous le recommande fortement. Plus vous vous impliquez, mieux sera votre expérience universitaire. Absolument. Est-ce que le fait d'obtenir un diplôme bilingue facilite l'accès au monde du travail? Alors, ça dépend de où tu veux te retrouver plus tard. Si tu veux travailler au Canada hors Québec, avoir des compétences langagières en français et en anglais va être un plus parce que tous les hôpitaux au Canada, hors Québec, documentent en anglais. Même l'hôpital Montfort, qui est un hôpital vraiment pour les francophones à Ottawa, parce que lorsqu'on fait des transferts de patients d'un hôpital à un autre, ben, il faut que les chirurgiens puissent lire les rapports. Alors, si vous voulez vous retrouver dans un milieu plutôt francophone, comme au Québec, ou même dans des petites communautés comme à Hearst, ou si vous voulez aller travailler à l'international, en Afrique, en Belgique, en France, bien là, c'est une différente histoire, mais pour les communautés bilingues, donc pendant votre entrevue, ce serait un atout, un avantage d'être bilingue. Puis, Rock, à Laurentienne, pour ceux qui sont, je sais qu'on a souvent des étudiants qui sont plus ou moins monolingues, francophones, il y a des cours, hein, pour leur aider à se rattraper avec leurs compétences en anglais? Oui, donc il y a une école
Oui, plutôt comme une école puis un petit programme pour les élèves à l'étranger pour s'intégrer dans la langue anglophone. Ce n'est pas une exigence nécessairement pour votre programme, mais c'est là où c'est invité si vous aimeriez améliorer votre anglais, c'est toujours une possibilité. Et quand ça vient à apprendre la langue, il y a plusieurs services qui existent. Tu peux toujours, avec ta confiance, quand tu améliores peut-être à ta troisième année, tu as le choix des cours ouverts. Il y a certainement les options de cours universitaires en anglais. Tu pourrais toujours stratégique de choisir un cours en anglais qui fait partie d'un département qui offre un programme en français ou en anglais. Donc, il y a beaucoup de support quand ça vient à notre communauté qui est bilingue, quand ça vient apprendre la deuxième langue, que ce soit à la direction française ou anglais. Plus, des fois, c'est même plus encouragé parce qu'il y a un certificat qui existe qui est vraiment une mécanique qui permet d'influencer ton résumé, qui s'appelle un certificat de bilinguisme. Donc, quand tu étudies dans un baccalauréat en orthophonie, tu vas compléter 15 crédits dans la langue qui est offerte en français. Puis, si vous améliorez votre anglais ou vous êtes déjà bilingue, c'est là qu'on encourage aussi à suivre 15 crédits dans la langue en anglais. Puis, c'est déjà automatique, c'est une petite partie de votre baccalauréat en large. Puis, vous recevrez un certificat en addition de votre diplôme, votre bac de 4 ans. Donc, c'est là. Il y a plusieurs petits trucs, mais juste vraiment des manières à s'engager puis promouvoir l'avantage d'être bilingue. Ça revient à la question de Sarah. Alors, si vous avez ce diplôme de bilinguisme-là, bien, c'est quelque chose que vous pouvez joindre à votre résumé, à votre CV aussi, qui est quand même assez impressionnant. Exact. La moyenne minimale pour faire demande au baccalauréat, alors c'est 70%. Puis là encore, là, avec ce qui se passe cette année, les élèves ont appris hier qu'ils ne retourneront pas à l'école avant septembre. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on s'adapte un peu aussi pour cette nouvelle cohorte. Je ne sais pas trop ce que ça va représenter pour vos bulletins. Alors, on est flexible, il faut s'adapter à la situation. Alors, disons, pour cette année, puis les prochaines années à venir, pour les élèves qui ont été impliqués dans cette pandémie, il va peut-être falloir ajuster, là. Je ne sais vraiment pas de quoi ça va avoir l'air. Oui, donc c'est là, l'équipe d'admission est en train de faire des modifications qui sont très ouvertes, vraiment des idées pour promouvoir l'accès envers un baccalauréat universitaire. Donc c'est là qu'on a déjà mentionné l'aspect de reporter une demande si vous êtes un élève étranger. Mais c'est là aussi, si vous manquez un cours, il y a toujours autre organisme secondaire que vous pouvez suivre des cours. Donc c'est un domaine en anglais, mais Virtual High School, Independent Learning Center, il y a quand même des cours en français. Donc, quand ça vient, peut-être, tu manques une exigence ou tu n'as pas bien compris la matière en bio, qui est une exigence quand ça vient en orthophonie, vous pouvez toujours le suivre. Puis, on va accepter ces cours et ces crédits même en été. Donc, quand ça vient se préparer pour une admission en automne ou peut-être même dans les années à venir, si vous êtes plus jeune, c'est toujours quelque chose que tu peux faire aussi. Puis nous, les professeurs, on est conscients du fait que votre formation a été interrompue depuis le mois de mars. Donc, c'est sûr que dans nos cours de première année en orthophonie, on va être sensibles à ça et on va ajuster nos exigences. On va sonder le terrain un petit peu, voir ce que vous avez appris. Donc, on va être flexible avec le contenu, puis une belle révision là, en septembre. Comment est-ce que les 10 élèves par niveau pour la maîtrise en orthophonie sont choisis? Alors, je vais terminer, je pense, avec cette réponse-là. Il nous reste 1 minute. Alors, il y a un processus d'admission à la maîtrise. Il y a des entrevues à l'oral. Il y a aussi un petit test de compétences linguistiques. Les étudiants doivent rédiger un court texte d'environ une page. Vous avez accès à Antidote, les autocorrecteurs et tout ça. Ça, c'est juste pour qu'on s'assure que vous avez une bonne compétence en français et en anglais. Et on regarde à vos notes, bien sûr. Vous devez avoir une moyenne de 75% pour être admis à la maîtrise. On regarde aussi à votre aptitude à la recherche. On regarde à vos heures de bénévolat. Donc, on suggère fortement que les étudiants aient 30 heures de bénévolat dans un domaine connexe, soit être tuteur, tutrice dans une école, faire du bénévolat dans un centre de traitement pour enfants, dans un foyer de soins à longue durée, des choses comme ça. Donc, il y a tout un processus, puis c'est transparent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Là, c'est pas quelque chose qui est secret. Donc, c'est semblable à les autres universités aussi.
Habituellement, il y a des entrevues, on regarde des notes, des choses du genre. Donc, je vois qu'il est midi 30. C'est la fin de notre Instagram Live. Je vais le sauvegarder, puis on pourrait le mettre soit sur la page de l'école ou je vais voir si on peut le mettre sur la page de l'Université Laurentienne. Mais il va y en avoir d'autres. Restez à l'écoute pour les prochaines dates. Je vais les afficher sur notre site à LUL Ortho SLP si vous n'êtes pas déjà. Si vous ne suivez pas déjà cette page, je vous recommande de la suivre sur Instagram, puis vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. Donc, merci tout le monde, puis de rien, merci de votre participation. Merci tout le monde, prenez soin, passez une belle journée.